Un petit plongeon directement dans l'eau. Je vous rappelle que ce plongeon en fait était fait avec une caisse montée sur roue, un défoulé, une structure en vitre. Le zoom, c'est quoi? Un poisson en papier mâché. C'est ça le zoom? C'était très étonnant. Et voici l'équipe de What's a Dream qui arrive tout de suite. Ils arrivent. Est-ce que Jérôme est par ici? Oui, Jérôme arrive avec un grand sourire. Il a l'air content. Jérôme, ça va? Bonjour à tous, bonjour à Marseille. Ah, c'est gentil de dire bonjour au public. Comment s'est passé ce saut avec ce poisson? Ce saut était super, c'était surtout un rêve de gosse. En plus, c'était des amis, on était au collège à l'époque. On s'était perdu de vue pendant 10 ans à peu près, et ça a permis de tous nous unir. Donc on remercie Red Bull pour l'événement. Ensuite, je ne sais pas si vous avez totalement compris les paroles de notre chanson. Mais on va la refaire. Donc en fait, d'abord, je vous explique un petit peu. Donc, à notre collège, on avait l'urne qui passait et c'était assez pollué. Donc, en fait, l'idée du poisson est venue de là. Donc, c'est le poisson de l'urne qui se jette aux plages du Prado, comme l'urne que vous trouvez actuellement. Et donc, en fait, il a rencontré des molécules de Red Bull et des ailes lui ont poussé. Ah, Red Bull donne des ailes, bien évidemment. Et Red Bull réconcilie les amis qui ne s'étaient pas vus depuis longtemps. Je vous l'ai dit, c'est un esprit de famille qui réussit. Et on retrouve tout de suite mon frère de télévision. Mon frère de télévision, d'accord, je suis le frère. Juste la foule pour retirer le peuple qui est à Marseille, quand même. Je suis plutôt le maître du monde. C'est un pote. Puisqu'il y a derrière moi le Titanic, et alors, c'est vrai que tu regardes un peu les ailes. Ça fait même pas la tête de mon bras. Les mecs sont fous, quoi. Mais ça va pas, quoi. Alors, vous êtes bien sûr déguisé. Les ailes de Titanic. Hop là. Reconnu. Bonjour, monsieur. Comment on est? Voilà, ça, petit aperçu dans la foule. On connaît tous la fin du Titanic. Hop, la voix. Les Pitoufos, alias Stéphanie, Jérôme, Seb, Cyril et Guillaume. Allez, à Secret Story. Pour réécrire l'histoire et de devenir les King of the World. Ah, la voix. Canon. Leonardo DiCaprio est là. Hey Léo. Non, vas-y. Très bien, Léo qui parle complètement français. Ça fait plaisir. Le Titanic, il est à l'intérieur. C'est vrai que c'est très cartonné là-dedans. Hein. Eh ben, faites-nous un beau carton. C'est parti, l'équipe. Avec des ailes grandes comme mon bras. Et à mon avis, va s'éclater. C'est parti. Here we go. Cherchez Kate Winslet, elle est là! Leonardo DiCaprio et Kate! Je pense qu'ils vont devoir... Attention, il y a un iceberg! Attention à l'iceberg! Non! On peut pas voir des choses comme ça, on peut pas, c'est pas possible, c'est pas possible! Les Pitouflos, voilà, c'était la 30e équipe. On regarde le ralenti pour voir la tête de Leonardo DiCaprio comme ça. Il envoie les mots.